Depuis qu'effectivement j'écris, déjà j'ai un mieux-être dans ma tête et à partir du moment où on est mieux dans sa tête, ben ça va mieux, le corps va mieux. Je m'appelle Corinne Raspic, j'ai 56 ans et j'ai une sclérose en plaques. La maladie a été découverte au mois de mai 2012 avec une poussée sur l'œil gauche, avec une cécité totale. Depuis 2017, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai pris conscience de mon côté artistique, côté créatif, que j'avais mis complètement de côté de par mon métier. Je suis comptable. J'ai arrêté juste à l'instant au mois de mai. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus détendue, beaucoup plus épanouie. Depuis qu'effectivement j'écris, déjà, j'ai un mieux-être dans ma tête et à partir du moment où on est mieux dans sa tête, eh ben, ça va mieux, le corps va mieux. J'ai rencontré un chanteur raï avec lequel nous avons mis ensemble nos talents. Lui donc a fait la musique, moi j'ai écrit les paroles. C'était une période en fait de ma vie où j'avais fait une poussée. Et j'avais des problèmes cognitifs assez importants. Ça m'a permis, donc, avec l'écriture, de pouvoir reprendre correctement le langage. Ma professeure de piano, chaque année, elle, donc à Noël, prend une conteuse et pour faire un spectacle. Elle m'a demandé d'écrire une histoire. J'ai créé une famille qui s'appelle la famille Androdique. Et depuis, je ne cesse d'écrire pour cette famille parce que c'est aussi important de passer un message, regroupement familial, les valeurs familiales. J'ai un message à faire passer donc à tout le monde et surtout aux malades. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-vous plaisir.